vais faire une livraison de l'extrême. Il n'y a pas de souci, cette livraison-là, c'est une livraison de l'extrême très légère. Alors, c'est parti pour la livraison de l'extrême. L'extrême n'est pas très importante ni extrême. Il est 13h19. Il y a déjà 25 degrés. Je vais vous dire qu'il fait chaud, que les fraises ne vont pas tenir. Donc, c'est quand même une livraison de l'extrême parce qu'il ne faut pas passer 2 heures à y aller. Et c'est pour mon fils, Silk, 722, qui lui aussi fait des livraisons de l'extrême. Mais je pense que l'AMN va bien le faire rigoler. Mais on va voir ça tout de suite. C'est ici que ça commence, la livraison de l'extrême. Bon, j'ai mis, tu vois pas trop, mais il est 13h23. Donc ça va, c'était pas trop long, la livraison de l'extrême. Et on va voir un peu ce qui se passe ici. Livraison de l'extrême, c'est pour maintenant. Et voici ma livraison de l'extrême pour toi, mon fils. Vous l'avez reconnu, c'est si que c'est dans ma vie. Et ça, c'est de la livraison de l'express, mon chéri. Ça vient un peu? Je suis en train de rien manger. Donc, du coup, c'est plutôt ça. Ça se passe bien? Oui. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Alors là, écoute, il y a l'office de tourisme de Sète qui est en train d'organiser un petit week-end avec des blogueuses, avec Alex Black. Bah... Alors, il y a des blogueuses là qui sont là, je les connais pas, mais bon. Et regardez un peu comme c'est sympa. Ça, c'est du total recyclage comme on l'aime. Et puis bah, là-bas, il y a des gens qui sont connus. Et on va nous présenter, je sais pas, quelqu'un qui est aussi connu. Ouais, non, mais vas-y, je fais style. Bonjour, maman. Bonjour. Bienvenue pour ma livraison. Mais en fait, je vais goûter celle que je vous ai montrée la dernière fois. Parce qu'ici, c'est vraiment le truc de cette. C'est la brazucade. Alors, c'est une moule qui fuit au feu. On va aller voir un peu là-bas. C'est super bon. Alors là, on a une blogueuse voyage. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Cette, on est bien à cette. Franchement, c'est le top. Quand je vous le dis, là, il n'y a pas que moi. Je suis pas soumise. Le soleil est là. C'est le bonheur total à cette. Voilà, faut le dire. Il y a l'homme au chapeau là-bas qui est sérieux. Coucou. Je suis sérieux, les bisous. On l'a dégusté. La brazucade. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Regardez. Ah, parce que nous, à 7, on mange aussi les merguez. C'est chaud, hein. C'est chaud. Voilà. C'est chaud. Quelques parpaings, une grille et roule ma poule. T'as vu, on se régale. T'as vu comment? Ah, ils sont forts, c'est toi. Hein. Je vous le dis, il y a qu'ici qu'on est bien. Comment ça peut être simple la vie quand même, hein. Il n'y a pas photo. Voilà, donc toi qui es en train de me regarder là derrière, tu sors de chez toi et puis tu vas vivre un peu ta vie dehors, ouais. Et pas devant ton écran. Lève ton cul du canapé, va. Allez. Et bougez. Je suis avec l'office de tourisme de Sète. Regardez, on a un cadeau de bienvenue. Merci, Marie-France. Regardez un peu. Voilà, et comment on est bien accueillis à Sète. Hein. Je vous le dis toujours, mes chéris, il faut venir à Sète. On est trop bien accueillis. C'était juste au cas où t'en douterais. Non, mais surtout pas. Derrière, regarde un peu tous les cadeaux que j'ai eus de la part de l'office de tourisme et Super Marie-France. Alors, cette rencontre, vous avez vu, c'était hyper méga sympa. Et regardez, en plus, j'ai eu des cadeaux par l'office de tourisme de Sète. Ils sont vraiment super sympas. Marie-France est vraiment au top. Alors, j'ai un super camouflage de Sète pour pouvoir noter un peu tout ce qui se passe. Alors là, c'est cool. Qu'est-ce que nous avons là encore? Wow, regardez-moi ça. Elle nous a fait un joli filet avec les aisettes de Sète. Bon, il y a plein de trucs, quoi. Pour découvrir Sète. Continuant, etc. Toujours cool. Et là, surprise, alors on a conserverie artisanale Azaïs. Qu'est-ce qu'il nous offre? Alors, bien sûr, toujours les aisettes. Mais on a encore des trucs. Spécialité fine poisson. Sétoise, conserverie sétoise. Voilà, il y a une conserverie sétoise à 7. Artisanale, ça s'appelle Azaïs Polito. Puis ben on goûtera ça un petit peu pour voir. Regardez, même la boîte, franchement, je vais la garder dans ma cuisine pour faire une déco, elle est super jolie. Et c'est français, ça, mes chéris, c'est toi. Et alors là, bon, franchement, si vous ne reconnaissez pas ce que c'est que ça, ben, c'est un peu de la rouille et du poulpe. C'est même de la rillette de poulpe. Alors, je dégusterai ça un petit peu en direct avec vous. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, hein, parce qu'on va partager ça ensemble. Ah, mais il y a encore des trucs dedans. Ah, bah alors, tu peux pas venir ici sans goûter, bien sûr, le muscat frontignan. Nous, on se régale. Tout le monde aime ça. Je fais un clin d'œil à la grenouille, elle sait pourquoi. Et là, on a même un confit au muscat. Je ne savais même pas que ça existait. Alors, comme quoi, vous voyez, même moi,
qui est ici depuis longtemps, je découvre des choses. Eh bien, on remercie l'Office de Tourisme de Sète pour cette superbe journée. Je sais que les blogueuses qui étaient là vont se régaler encore. Que dire de plus ? Sors, viens à Sète, tu vas voir comment toi aussi, tu vas te régaler.